Donc, il y a quelques semaines, nous avions vu comment abîmer un char dans le désert. Donc, depuis, hein, vous voyez mon bazar, tout est prêt. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, mon bonhomme, mes bons hommes sont faits. J'ai mon embas sur lequel on va faire une petite scène, hein, vraiment quelque chose, une petite présentation. Je vais vous expliquer à peu près comment je fais moi, ma façon de faire. Voilà. Donc, Africa Corps, dans le désert. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça de suite. Bon, c'est pas de la pub pour le journal, hein. C'est pour pas salir la table. Tout ce qu'on va avoir besoin. Alors ça c'est du ponçage de parquet. Pour le sable, c'est ce que j'ai trouvé de plus fin, parce que quand on prend du sable, même du sable d'aquarium, c'est encore trop gros. La granulosité est trop grosse. Donc, ponçage de parquet, pour commencer. Donc, mon embase. Voilà. Un petit chinois. Un pinceau. Du scotch qui s'enlève facilement. Ah, ça vous demandez ce que c'est. C'est simple. C'est la litière à chat. Voilà. Que j'ai écrasé déjà d'avance. Je vais vous faire voir ça. Je l'ai écrasé. Elle est fine. Elle est. Voilà. Ça va me servir aussi. Parce qu'il y a des endroits dans le désert, pas que du sable. Il y a aussi des endroits, c'est des cailloux. Sachant que les cailloux ils volent et c'est ce qui abîme les chars quand. Hein, comme on a vu là, pourquoi je les ai abîmés, c'est à cause de ces cailloux qui volent quand même. Hein. Pour commencer, je prends pas, je fais pas le tour complètement. Hein, donc, je vais laisser une bordure. Voilà. Donc, un peu de scotch. Hein. Déjà d'une, quand on prendra le diorama, on ne sera pas obligé de mettre les doigts directement sur ce qu'on a fait. On pourra mettre sur les bords, déjà quand on va présenter. Et puis c'est pas la peine de tout remplir. Donc ça y est, donc j'ai fait le tour avec mon papier ruban cache, que j'enlèverai après, une fois que j'aurai fini. Là, je vais travailler avec de la colle à bois et de l'eau. Tout simplement, hein, faut pas. Donc, ma litière à chat que j'ai concassée à l'avance. Vous voyez même, il y a même du support ex dedans que j'ai concassé. Hein, c'est tellement fin que. Mais bon, en général, de la litière à chat. Hein, on mettait pas trop dedans. Hein, après. C'est pas dur, hein. Mes personnages, je les ai peints. Je vais essayer de les coller assez rapidement. Bon, à la colle à bois, il faut attendre. Hein. Donc, voilà. Là, j'ai pris une colle un peu plus rapide. Normalement, je travaille tout à la colle à bois. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Le sable.
Le sable, il rentre ici. Hein. Bon, ça fait. On va faire après. Un peu de poussière derrière. Mais le sable, il ressort aussi devant. Donc, il ressort ici, sur le haut des chenilles. Il ressort comme ça. Donc, il faut y penser aussi. Notre diorama est fini, là, à peu près en une heure et quart. On a terminé un petit diorama de présentation. C'est un diorama des plus faciles, hein. Il y a juste un petit char à mettre. Hein, donc une base en bois, la litière à chat, de la sciure, donc ponçage de parquet, la maquette qu'on avait fait la dernière fois, les figurines que je me suis avancé. Hein, voilà, donc quelques cailloux de litière à chat, du ciporex aussi. Un genre de coton, vous savez, c'est pour les pansements, là, voilà. Et puis, voilà, faut penser à tout. Voilà ce que ça donne. Puis je vous dis au revoir et puis bah une prochaine pour d'autres aventures quoi, le prochain char.